wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. 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 1 Jean 3 verset 1. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Amen. Si nous confessons nos péchés, Dieu il est fidèle et juste pour nous pardonner. 1 Jean 1, verset 9. Amen. Verset 9. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu. Amen. Exode 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire et je vivrai au milieu d'eux. Amen. Le fou sur le sable a bâti sa maison. Le fou sur le sable a bâti sa maison et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison et la tempête arriva. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison résista. Le rêve d'un grand prophète. C'est le rêve d'un grand prophète. Donc avant c'était le cauchemar d'un grand roi, n'est-ce pas? Maintenant c'est le rêve d'un grand prophète. Ok? J'ai oublié le dé, vous m'excusez là-bas en tapant le grand. Et pourquoi il y a une différence entre le. Pourquoi Dieu est révélé cette fois-ci à un prophète au lieu d'un roi? Mais maintenant, c'est le rêve d'un prophète. Tu as une idée? Ni la fille, c'est une idée. Pourquoi ça? Une idée. C'est quoi la question encore? Avant, c'était le rêve ou le cauchemar d'un roi, n'est-ce pas? Maintenant, c'est un prophète. Tu as une idée? Ok, merci. Donc, oui, Denis? Merci. Donc le prophète, pourquoi? On va voir ça ici. Là, le rêve est c'est Dieu qui veut s'adresser à un prophète. Avant, il a révélé le songe à un roi. Ce qui intéresse un roi, c'est la politique. Pour le roi, ce qui l'intéresse, c'est les royaumes, les rois qui vont suivre. Et c'est ça qu'il va même bien comprendre. Mais Dieu maintenant veut donner plus de détails à un prophète qui comprend beaucoup plus tout ce qui est religion.
Donc il s'agit, vous allez voir que dans ce rêve là, on va donner beaucoup plus de détails, non avec la politique, mais c'est la religion qui entre en jeu. Donc c'est la politique mélangée avec la religion. C'est pour ça que le message est envoyé à un prophète. Donc c'est ça que je vais de vous expliquer. Nous allons prendre nos Bibles et j'aimerais que nous puissions lire ensemble Daniel chapitre 7 verset 2 à 3. Nous sommes dans Daniel est-ce que vous êtes là? Tout le monde est là. Daniel chapitre 7 verset 2 à 3. Nous sommes qui sont déjà là? Ok, nous allons lire. Je l'ai gardé pendant ma vision nocturne, et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur leur grande mer. Ok? Je regardais pendant ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Agira du sommeil en Yerwanda rapidement. Nuko Daniel aravuga ati mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga ine yo mu ijuru ihubukira ku nyanja nini. Muri iyo nyanja havamo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko. Akose. Merci. Alors, il a regardé pendant la vision, et voici quatre vents. Les vents, c'est quoi? Dans la prophétie, les vents, c'est quoi? Il faut commencer à comprendre. Et je vous dis que cette fois-ci, ça va être difficile parce qu'il faut comprendre parce que Dieu s'adresse à un prophète. Donc il parle des vents, des cieux, Amajoro, qui font irruption sur la grande mer. Ok, je vais vous donner l'explication. Et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents l'un des autres. Donc, nous avons vu les vents, n'est-ce pas? Nous avons vu la mer. Nous voyons les animaux. Alors, on va essayer de comprendre c'est quoi. J'aimerais qu'on puisse lire en Apocalypse chapitre 17, verset 15. Et j'aimerais que quelqu'un m'explique ce qu'il a compris dedans. Non, à Apocalypse. 17, verset 15. L'eau, ici on parle des eaux, n'est-ce pas? Vous avez vu que les vents vont en faire irruption sur les eaux. Les eaux. Alors les eaux, c'est quoi ici? Ça symbolise quoi? Hein? Est-ce que vous comprenez? Les eaux symbolisent le monde entier des nations. Si vous avez des notes, écrivez ça. Donc les eaux, ça symbolise les nations. Le peuple. Dans la prophétie, quand vous allez entendre les eaux, comprenez les nations. Voici la référence à Apocalypse 17, verset 15. Jérémie 49, 36 à 37. Jérémie
36 à 37. Alors c'est écrit, je ferai venir sud et l'âme, quatre vents des quatre extrémités du ciel, je les disperserai pour tous ces vents, je vais écrire ici, il n'y aura pas une nation où n'arrive des fugitifs de l'âme, je ferai trembler les habitants de l'âme devant leurs ennemis et devant eux qui avaient leur vie, j'amènerai sur eux des malheurs, mon ardente colère de l'éternel, et je les poursuivrai par l'épée jusqu'à ce que je les ai anéantis. Alors ici on parle des vents. Zateza eramu imiyaga ine iturutse mu birere bine by'ijuru kandi zabatatanyiriza muri ibyo birere bya byose ndetse hashyanga ibicibwa bya eramu bitazageramo zatera aba eramu kwihebera imbere y'abanzi babo n'imbere y'abahiga ubugingo bwabo kandi nzabateza ibibi ndetse n'uburakari bwanjye bukaze nuko Uwiteka avuga. Merci. Ici, on parle des vents. Alors, si vous avez compris au verset, le vent symbolise quoi? Ibyago, n'est-ce pas? Ça signifie le malheur. Quoi encore? Les guerres. Les guerres. Ok. La faim. Ok. Ou la famine. Le vent, quand vous entendez le vent, dans la prophétie, le vent symbolise les guerres. La référence, si quelqu'un discute avec vous, vous lui donnez cette référence. Ok, maintenant on a parlé des vents, on a parlé de la mer. Et nous allons maintenant voir les animaux symbolisent quoi? Daniel 7, verset 17. Oui. Haragira ati izo nyamaswa nini uko arenye nibo bambi bane bazaduka mu isi. Merci beaucoup. Donc ces quatre animaux, ce sont quatre rois qui se lèveront de la terre. Numéro 1, les vents. Numéro 2, les eaux. Numéro 3, les animaux, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on peut m'expliquer maintenant le texte qui est là? Alors, je regardais ma vision nocturne et voici les quatre vents des cieux firent éruption sur la grande mer. Ça veut dire quoi? Si vous comprenez maintenant. Je regardais ma vision et voici les quatre vents donc. Les quatre guerres, n'est-ce pas? Beaucoup de guerres, n'est-ce pas? Ils ont fait éruption sur la grande mer. Ça veut dire quoi? Ils ont fait sur la terre, sur le peuple. Et les guerres, c'est qui font la guerre? C'est les nations. C'est quoi? Et quatre animaux sortirent de la mer. Alors les animaux c'est qui? Les rois, n'est-ce pas? Ils sont sortis de la mer. La mer c'est quoi? Donc les rois, bien sûr, sont sortis des populations, ils sont sortis faire la guerre. Donc voyez, si vous lisez juste un texte comme ça, vous ne comprenez pas jusqu'à ce que vous ayez des explications. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas? Les jeunes, vous comprenez? Est-ce que tout le monde comprend? Celui qui ne comprend pas, il peut poser des questions, je vous donne. Quelqu'un qui n'a pas compris?
C'est facile. Donc, ce sont des rois qui vont faire la guerre, ou donc qui sortent du peuple pour faire la guerre. Donc, ce qui fait les référents, les hommes, c'est les peuples, le vent, c'est la guerre, les bêtes, c'est les royaumes. Alors, nous allons continuer. Maintenant, Daniel 7, verset 4. Là, on disait que les bêtes sont sorties d'où? Sont sorties d'où? De la mer. Donc, et les bêtes, ce sont des rois, n'est-ce pas? On va voir maintenant la première bête. Le premier était semblable à un lion. Et avait des ailes d'aigle. Et je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Ça veut dire que le premier était semblable à un lion. Un lion, c'est quoi? Dans la forêt. C'est le roi de la forêt, n'est-ce pas? C'est le fort. Mais on voit qu'il avait des ailes d'aigle. N'est-ce pas? Alors, il y aura des explications si vous lisez dans Daniel. Mais le lion, c'est le symbole de Babylone. Babylone qui symbolise l'or, n'est-ce pas? L'or aussi, c'est le métal le plus précieux. C'est le symbole, c'est la tête d'or, même chose. Mais on voit que le lion a des ailes. Les ailes servent à quoi? À voler. Et le vol, c'est rapide, n'est-ce pas? On dit que Rome a conquis rapidement la terre rapidement. Il a été très rapide à la conquête. Babylone. Donc c'est ça ce qui symbolise les ailes d'aigle. Mais je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Si vous avez un oiseau et vous arrachez les ailes, qu'est-ce qui se passe avec cet oiseau? C'est fini. Donc, je vous souvenez quand les Mèdes ont conquis Babylone. Je vous ai dit comment ils ont pris la ville. Est-ce qu'ils se sont battus? Est-ce qu'ils sont... Non, n'est-ce pas? Ils sont entrés la nuit pendant que les gens sont en train de fêter, ils sont entrés, ils ont pris la ville. Donc c'est ce qui symbolise la facilité qu'il a été, la conquête facile de Rome. Et il finit à lever de la terre, mais debout sur ses pieds comme un homme et un cœur d'homme lui fit donner. C'est là-bas. Il fit enlever de la terre. Et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fit donner. Ça veut dire c'est un roi qui devient simple, comme un homme. Donc c'est Babylone. Donc c'est ce que vous voyez, le lion de symbole de Babylone.
Donc, si vous allez sur le site archéologique de Babylone, vous allez voir qu'il y a le lion qui est des différents animaux. Le lion est symbole vraiment de Babylone. Vous voyez, muri ahantu bahari bo bikovye byerekeye Babylone et byerekeye Babylone mbona yuko iyo ntambwe ariyo igereranya Babylone. Le lion apparaît sur les murs, sur les pièces de monnaie. Ngo hirya ntambwe nayo ngo murayisanga ku bigorongoro. Bon, aujourd'hui, on associe aussi des nations à des animaux. Je ne sais pas si vous savez qui on associe des nations. Est-ce que vous connaissez le symbole des États-Unis? Est-ce que la Russie, c'est l'ours, n'est-ce pas? La France, c'est le coq. Royaume-Uni, c'est le lion aussi, se sont associés. Alors, je vous ai donné un devoir. Est-ce que vous connaissez l'animal qui symbolise le Burundi? C'est quoi? C'est le léopard, n'est-ce pas? Léopard. Est-ce que vous connaissez l'animal qui symbolise le Rwanda? Ingagi. Ingagi, et quoi encore? Lion, hein, lion. Ok, donc tous ces pays essaient de se symboliser par les animaux. Donc quand dans la prophétie, quand vous entendez animal, c'est le royaume. C'est une nation. Ok, donc Babylone, comme je vous ai dit, a régné de 605 à 539. Avant Jésus-Christ. Ok, c'est lui, quand vous allez voir donc le lion, et la tête d'or, c'est Babylone. Ok, nous allons au second animal. La Bible décrit la seconde bête comme un ours avec trois côtes dans sa gueule. On va faire la lecture. Tu peux nous lire chapitre 7, verset 5. C'est tout est écrit dans la Bible. Abafite biriya mukurikire. Ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu. Yikutse uruhande rumwe kandi yari itambitse imbavu eshatu mu mikaka yayo. Barayibwira bati byuka uconcobe inyama nyinshi. Ça, ça se trouve dans Daniel 7, verset 5. Voilà, donc, un animal qui était semblable à un ours. Donc, c'est un ours, n'est-ce pas? Et se tenait sur un côté. Et avait trois côtes dans la gueule. On va s'arrêter là-bas pour que nous puissions comprendre. On dit qu'il se tenait d'un côté. Et on a dit que c'est qui a remplacé les Babylone. Quel est le royaume? Oui, les Mèdes et les Perses, n'est-ce pas? Et l'histoire dit que d'abord, les Mèdes étaient plus forts avant. Et c'était deux tribus qui se sont unies ensemble. Donc il y avait des Mèdes. Et le roi c'était Darius. Et si vous connaissez bien la Bible, Darius c'est celui qui a jeté Daniel dans la fosse au lion. Donc, et après Darius, quand ils ont pris Babylone, il est venu avec un autre roi qui s'appelle Cyrus.
Et Cyrus était le roi des Perses. Mais Cyrus était très très fort qu'il a pris le dessus sur les Mèdes. C'est pour cela que l'ours est symbolisé qu'il y a un côté qui est penché. C'est parce qu'il y a un déséquilibre du pouvoir. Il y a un pouvoir qui est plus fort que l'autre. Mais plus forme un seul pouvoir. Nous sommes ensemble. C'est pour cela qu'il est penché. Et on dit qu'il y a trois côtes qui sont dans sa bouche. Il est en train de quoi? De manger, n'est-ce pas? De croquer. Ok, qu'est-ce qu'il dit? Il a ses côtes dans ses dents et on lui disait, lève-toi et mange beaucoup de chair. Donc, on parle que ce sont des Mèdes et des Perses. Et puis les Mèdes et les Perses, ils ont arraché trois pays, ils ont conquis trois grands royaumes. Je vais vous montrer c'est quoi, lesquels. C'est les trois côtes qui sont dans la bouche. Donc il a mis trois, donc il a croqué trois. Donc ils ont dit qu'ils ont conquis le pays qui s'appelle la Lydie. Et l'Égypte au côté aussi de la Libye. Et au milieu que vous voyez, c'est Babylone qu'ils ont conquis. Donc les trois côtes qui sont dans sa bouche, c'est Babylone qu'ils ont pris. Vous savez qu'ils ont pris Babylone. Ils ont pris aussi un autre pays au nord qui s'appelle Lydie. Lydie, dans le nord de l'Irak. Donc, et puis actuellement, ils ont aussi conquis l'Égypte. Et la partie de l'Arabie, toute l'Afrique du Nord. Donc, ils ont pris le monde entier en prenant tous ces pays-là. Et on dit encore dans la... Qu'est-ce qu'on dit? On dit mange et mange beaucoup de viande. Mange beaucoup de chair. Est-ce que vous vous souvenez quand Daniel, il est sorti de la fosse aux lions, qu'est-ce qui s'est passé avec ce qu'il avait acquis? Les anges étaient, n'est-ce pas? Tous leurs enfants, tout le monde, puis toutes les familles, on a jeté. Donc, on dit que les Mèdes et les Perses étaient tellement cruels qu'ils tuaient les gens comme des mouches. Donc, ils tuaient vraiment sans pitié. C'est pour cela qu'on dit que. Mange et beaucoup de chair, c'est donc ça c'est les Mèdes et les Perses. Ils ont régné 208 ans. Alors la suite c'est que dans la Bible, Daniel chapitre 7 verset 6. Daniel
yari ifite amababa ane asa n'ay'igisiga kandi yari ifite imitwe ine ihabwa ubutware. Donc on voit ici que il y a un animal qui est semblable à un léopard. Léopard, Ningwe. Mais il avait quatre têtes. Si vous rencontrez même un chat avec quatre têtes, vous allez courir, je suis sûr. N'est-ce pas? Après, avec ces quatre lettres, il avait aussi quatre ailes. Et puis on dit, il était comme un oiseau. Et il y avait quatre lettres et la domination lui fut donnée. Bon, après donc, après les Mèdes et les Perses, il y a eu un autre roi qui est venu, qui a surgi dans Daniel 2. C'était quel roi? C'était quel royaume? C'était la Grèce. Et la Grèce est venue d'où? De l'Occident, n'est-ce pas? Donc ils sont allés vers l'Est. Et c'était le Alexandre le Grand qui était le chef de l'armée. Pourquoi le léopard? Juste pour vous, à votre avis, pourquoi le léopard? C'est rapide. Un léopard est très rapide. En plus d'être le léopard, il est encore des ailes. Donc il est extrêmement rapide. Donc dans l'histoire, Alexandre le Grand, il a été un grand très très rapide dans la conquête. Alexandre le Grand, très rapidement. Donc la conquête, la paix, c'est les ailes attachées sur le léopard. La conquête est rapide. Et Alexandre le Grand, on dit qu'il avait 47 000 hommes seulement. Mais il a conquis les Perses qui avaient 1 million d'hommes. 1 million Et à l'époque, c'était du corps à corps. Il n'utilisait pas des blindés ou des avions, non. Donc pour pouvoir se battre, c'est du corps à corps. Mais 47 000, ils ont conquis une armée de 1 million. Vous connaissez les léopards, comment ils attrapent les gibiers? Comment il faut attraper les animaux? Il faut comment? Il faut doucement comme ça. Jusqu'à ce qu'il t'attrape. Donc c'est pas pour lui que Alexandre a été symbolisé par léopard. Il était quelqu'un qui surprenait beaucoup les ennemis. Il prenait les ennemis par surprise. Et on parle de quatre têtes et quatre ailes. Et Alexandre le Grand son armée était composée de grands généraux.
benshi bari abajenero. Donc il y avait quatre généraux qui composaient qui son armée. Oui, c'est abajenero bane bamutegekiza ngabo ziwe. Quand Alexandre est mort, il est mort très jeune, encore à 31 ans je crois. Bon, igihe rero yapfuye afite imyaka 31. Il est vraiment mort très jeune parce qu'il a bu beaucoup, il buvait beaucoup. Il... Bon, yapfuye akiri muto kubera yari imborego yaranywa. Il faisait la compétition de boire. Bon, il a encore amahiganwa yo kuborego. Pour voir celui qui va mourir le premier. Alors il semblait que c'est l'alcool qui a vraiment, il est tombé malade à cause de l'alcool. Et le problème c'est qu'Alexandre Logan n'a pas, avec ce, quand il est mort, il n'avait pas laissé quelqu'un pour diriger son ensemble. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ces quatre généraux se sont battus entre eux. Alors ils ont commencé à se battre. Et ils se sont divisés en quatre. C'est les quatre que vous voyez. Les quatre têtes. Et les généraux, ils s'appellent Ptolémée. Ismiak. Séleucus et Cassandre. Donc ce sont ces quatre généraux qui se sont battus, qui ont divisé la ville grecque. Donc comme je vous disais, il est mort à l'âge de 33, il était encore trop jeune. Mais il a pris le pouvoir très rapidement, c'est pour ça qu'on l'a symbolisé par les quatre. Donc vous voyez que Daniel 7, c'est le Daniel 2, mais il donne beaucoup plus de détails, n'est-ce pas? Daniel 2. Alors la Grèce a duré de 331 à 168. Jésus-Christ. 163 ans. Alors ici, on parle ici que j'ai après cela, chapitre 7 maintenant. Verset 7, Daniel. Aragira ati hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro mbona inyamaswa ya kane iteye ubwoba y'inyamaboko n'inyambaraga byinshi cyane yari ifite imikaka minini y'ibyuma iconcomera ibintu irabimenagura ibisigaye ibisiribangisha amajanja yayo yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije kandi yari ifite amahembe icumi nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hano izirindi hembe ritoya kugarukira aho ngaho. Merci. Donc cet animal qui est le quatrième animal, est-ce qu'on a dit c'est quel animal? On a spécifié ça? Ngo iki gikoko kigira kane bo aba bavuze icyo ari cyo. Non. On n'a pas trouvé le nom de cet animal. Il était différent de tous les animaux précédents. Et je vais peut-être retourner. Il y avait un quatrième animal terrible. Épouvantable. Et extraordinairement fort. Ok, c'est Daniel qui dit, n'est-ce pas? Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait brisé et foulé au pied de ce qui lui résistait. Et il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 corps. Cet animal, c'est quel animal? On ne sait pas d'autre lion. Il y a une affaire qui a. C'est ça, c'est. Oui, c'est quoi?
Triceratops. Il parle de triceratops. Un dinosaure peut-être. Ouais, ouais. Un dinosaure. Il y en a qui disent que c'est des dinosaures. Il y en a qui disent que c'est des un dragon. Il y en a qui disent que c'est. On ne connaît pas le nom de l'animal. On n'a pas pu. Parce qu'il foulait tout à ses pieds. Il avait 10 cornes. Et puis on va voir qu'il avait autre, une autre corne qui va monter, qui va faire sortir les autres. Alors après la graisse, qui était symbolisé par donc qui était symbolisé par donc les cuisses terrestres. Et nous avons maintenant l'animal terrible. Et l'animal terrible que vous voyez, c'est Rome. C'est bien écrit dans la Bible, lisez dans la Bible, c'est bien écrit. Alors on dit qu'il était terrible. Les Romains, non seulement ils ont conduit le pouvoir terriblement, mais ils avaient une armée vraiment très très forte. C'est eux qui ont commencé à utiliser les fers, tout ce qui est char, tout ce qui est tout ce qui est lance, tout ce qui est protection. Probablement qu'il y en a d'autres qui avaient, mais vraiment c'est eux qui les ont utilisés d'une façon, d'une manière efficace. Et ils étaient forts, donc symbolisés par le fer aussi. Et donc ils ont régné de 1168 avant Jésus-Christ et 476 après Jésus-Christ. Et vous voyez comme on a dit, ils ont vraiment régné très longtemps. Pendant que Jésus, c'est eux qui ont crucifié Jésus d'avant. Qui étaient au pouvoir, c'est eux qui ont tué Jésus, n'est-ce pas? Ah bah, je suis désolé, mais c'est eux qui étaient au pouvoir. S'ils avaient dit non, mais on n'allait pas les Juifs, parce que les Juifs, pour l'histoire des Juifs, les Juifs étaient dans ces royaumes, là, vous vous souvenez que les Juifs devaient payer les taxes à qui? Rendez à César ce qui est à César. Comprenez? Jésus même a dit, vous payez les taxes à César, sinon il va vous tuer. Donc à l'époque de Jésus, vous allez voir que c'était des Romains qui régnaient. Et les Romains se trouvent dans quel pays actuellement? C'est l'Italie, n'est-ce pas? Ok, on va y aller rapidement. Là, on parle qu'après maintenant la Grèce et après la Rome, on parle qu'il y a eu, est-ce qu'on peut lire encore un peu? Daniel chapitre 7, 24, on va parler là, on dit que cet animal avait 10 cornes. On va y aller rapidement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc les 10 cornes symbolisent 10 quoi? Royaume. 10 royaumes. Alors on avait parlé des animaux que ça symbolise les royaumes, n'est-ce pas? Et les cornes aussi, ça symbolise la puissance, donc les royaumes aussi. Parce que vous savez que, par exemple, une vache, pour pouvoir se battre, utilise les cornes. Et donc, les cornes, c'est le pouvoir, c'est les rois. Alors, vous vous souvenez qu'on a parlé que les 10 royaumes étaient des royaumes qui sont venus de l'Occident ou du Nord, qui sont venus conquérir les Romains.
ubwo butegetsi yari ubutegetsi bwavuye hariya mu Burayi bukaza kwigarurira Roma. Ok, et alors je vous ai dit que ce roi c'est qui? Qui sont venus prendre Rome. Je les ai qualifiés, on les appelle comment? Il faut noter s'il vous plaît. Les barbares, n'est-ce pas? Les peuples barbares. Alors on a dit que les barbares, c'était qui ces peuples barbares là, qui représentent les 10 cornes. Je vais peut-être vous lire ça. Donc ce sont ces barbares qui sont venus du nord. Voilà. Alors ces barbares sont les Alamans, okay? Les Bourgognes, les Francs, les Lombards, les Saxons, les Suèves, les Visigoths. C'est bon? Et oui. Alors il y avait aussi les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths. Donc c'est, on ne les connaît pas parce que je vais vous raconter sur les histoires tantôt. Donc dans le fond c'est l'Europe que nous connaissons actuellement qui est allée prendre Rome, et Rome n'a pas disparu, mais il a été subdivisé, il a été pris par plusieurs pays. Donc, il y a les Allemands, les Suisses, les Francs, les Italiens, n'est-ce pas? Les Anglais, les Portugais, les Espagnols. C'est les 10 là que vous voyez. Alors, c'est cet endroit où il se trouve. Ok. Et donc, j'ai considéré les cornes, et voici une petite corne sortie du milieu d'elle, et trois premiers cornes furent arrachées devant cette corne. Daniel chapitre 7, verset 8. Muri Daniel rero indwi umurongo wa munani haragira hati nitegereje ayo mahembe mbona muri yo hameze irindi hembe ritoya imbere yaryo hakurwa amahembe atatu mu yari asanzwe kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu. Si. Donc on voit qu'il y a combien de cornes avant? Il y avait 10. Il y avait 10 cornes. Alors Daniel regarde, il voit que dans ces 10 cornes, il y a une petite corne qui commence à monter dans cette. Et ça commence à pousser, à pousser, à pousser, à pousser. Et il arrache les 3 cornes. Et on dit que cette corne avait des yeux comme les yeux d'un homme. Et une bouche qui parlait avec arrogance. Daniel, vraiment, je pense que c'était difficile pour lui avec ça. Et je vais vous expliquer un peu parce que l'explication est là. Les 10 cornes, c'est les 10 royaumes. Et la petite corne, c'est une corne, c'est une autre puissance qui va monter et qui va détruire les 3 cornes. Alors, je veux, il dit qu'il va être différent des premiers, il va abaisser 3 rois. Parce qu'en Daniel chapitre 7, 24, on explique que ce n'est pas la petite corne. Est-ce que quelqu'un peut nous lire chapitre 7, 24? Si vous avez votre Bible, vous pouvez lire 24. 24, vous n'avez pas ça, 7, 24? Ok. Je vais y aller rapidement parce qu'on n'a pas le temps. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui se révèlent de ce royaume. Parce que Daniel a demandé la signification de ces 10 cornes et de cette corne-là. Daniel, il y a un signe de
Alors on dit, et notre se révéla après eux. Et on lui donne six caractéristiques qu'il va porter ce royaume-là. Il va être différent des premiers. Ça, je suis en train de lire 7:24 en descendant, n'est-ce pas? Il va abaisser trois rois. Il y prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Il espérera changer le temps et la loi. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps d'état et la moitié d'un temps. Les six points que vous avez là-bas, c'est un autre sujet de prédication. Parce que j'aimerais aller en détail samedi prochain. Parce que si je dois vous expliquer ça, ça peut prendre une heure. Mais ce que nous allons comprendre ici, c'est qu'en sortant du milieu de 10 cornes, donc c'est un roi qui sort de ces 10 rois-là. Ça veut dire qu'il va pouvoir combattre d'autres rois et puis il va arracher trois rois et va les combattre. Et il va sortir après la chute de Rome. Ok? Il va arracher donc les trois, il va faire la guerre aux trois royaumes pour pouvoir les arracher. On ne peut pas arracher les royaumes sans faire la guerre. Donc il faut seulement se battre pour pouvoir les arracher ça. Et ils vont avoir les yeux comme les yeux d'un homme, n'est-ce pas? Ils vont avoir l'intelligence, très intelligent. C'est pour cela que peut-être ce royaume est là, mais les gens, il est tellement intelligent qu'il a tellement porter confusion à tout le monde. Ok. Donc, ce que moi je vais vous dire avant de terminer, je vais terminer à une heure. Cet royaume a déplacé trois royaumes. Il a déplacé les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Alors ces royaumes-là, qu'est-ce qui s'est passé avec ces royaumes? Ils n'ont pas accepté la foi romaine. Donc vous savez que l'Occident, c'est des pays qui sont, est-ce qu'ils sont musulmans ou chrétiens ou l'Occident c'est quoi? La France, l'Europe, l'Italie, toute l'Europe c'est quoi? C'est quoi? C'est des chrétiens, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous les voyez encore exister. Parce que sinon, ils allaient avoir les mêmes problèmes avec, comme les Hérules ont eu des problèmes. Ces rois n'ont pas accepté la foi romaine, la nouvelle foi. Donc ils ont été déracinés, ils ont été combattus, ils ont été déracinés. On ne les voit même pas, on ne les connaît pas. Ok, je vais juste vous lire ce texte rapidement. Donc c'est Hébreux 4:11. Rome étant la capitale du monde. Okay, à l'époque, donc, vous connaissez, Rome avait pris le monde entier. Est-ce qu'on est d'accord ensemble?
J'ai 3 minutes, suivez-moi parce que je vais terminer. Je sais que vous êtes un peu fatigué. Rome étant la capitale du monde, le pasteur de l'église chrétienne était considéré comme le principal évêque de toutes les églises. Alors l'église est devenue plus mondaine et puissante au fur et à mesure qu'il y avait beaucoup de monde. Il y a eu des fausses doctrines. Il y a eu des fausses doctrines. Il y a eu des fausses doctrines. La première fausse doctrine, hein? Et vous vous souvenez qu'après la mort de Jésus, il y a eu beaucoup de persécutions sur les disciples de Jésus. Mais petit à petit, les chrétiens, ils ont augmenté jusqu'à ce qu'ils sont devenus nombreux. Ce que vous voyez, n'est-ce pas, maintenant? Alors, je vais aller rapidement, je vais vous donner des détails la samedi prochain. Alors, des fausses doctrines ont été récites, parmi lesquelles une tradition selon laquelle Pierre avait reçu l'autorité exclusive de gouverner l'Église en tant qu'évêque de Rome. Donc Pierre avait, on a dit que c'est Pierre qui est l'évêque principal de Rome. On va lire ici que Ngoba cheva voyou copieri arrive à Gomba kurongora gotegeka shengiro. Alors ils se sont bâtis sur le revêtement, sur cette pierre. Vous êtes Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Vous connaissez ça? Oui. Donc Pierre, on a dit, Pierre c'est lui le fondateur de l'église, c'est lui l'évêque donc principal. Petit à petit, Pierre il était mort, n'est-ce pas? Alors, les évêques, ils ont pris la place de Pierre. Et plus tard, c'est le pape qui était le successeur de Pierre. Et ils ont construit leur ambitieuse idée que le royaume de Christ était un royaume de ce monde. Ils ont oublié le verset qui disait que mon royaume n'est pas de ce monde. Alors ils ont opposé toute résistance et tout ce qui était contre cette idée-là. Si tu t'opposes à cette idée, tu es combattu. Alors, il y avait 5 étapes par lesquelles la papauté a exerté sa réclamation. D'abord, l'évêque était à la hauteur de tous les évêques. Et au départ, il était à la hôtel et on l'appelait frère. Et puis il donnait des conseils à ses frères aînés. Et il donnait les petits frères demandaient des conseils aux frères aînés. Et petit à petit, la notion de frère a été changée. Et les paroles que le grand frère disait, on l'a considéré comme père. Dans l'entretemps, l'Empire romain s'affaiblissait petit à petit. Et l'évêque de Rome, on l'a appelé maintenant Papa. Papa, donc c'est ce qui est inventé, Papa. Okay. Donc tu viens de frère, grand frère,
Alors on le conseille maintenant papa. Alors papa, ça signifie à la terre, en fait, père à la terre. C'est de la terre. Alors à un moment donné, il a été tellement sévère qu'il a été respecté comme mon Seigneur. Vous connaissez, n'est-ce pas? Donc ça a été comme ça jusqu'à ce que, en fait, petit à petit, il soit considéré comme Monseigneur. Et plus il grandissait, parce que plus le pouvoir religieux grandissait, plus moins le pouvoir politique disparaissait. Et finalement, on prétendait que le pape était le Dieu sur la terre. Je n'ai pas le temps, j'allais vous dire comment il y a une guerre entre ces rois, mais je pense que on n'a pas le temps. On va continuer la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez me donner juste pour vous lire ce texte là, 10 minutes, vous pouvez me le donner? Oui. 10 minutes. Alors, Odak, le roi de Hérul, donc je vais vous parler de ces trois cornes qui ont été arrachées. Odak, le roi de Hérul, comme les autres royaumes déracinés, s'est opposé à la papauté. Alors, le roi Théoric, il a vaincu Odak et ses soldats. Mais les amis de la papauté, ils ont constaté que Théorie qui avait combattu le roi de Hérul n'était plus leur ami. Alors la papauté devait alors l'ennemi de Théorie théorique et de tout ce qui est Ostrogoth. Donc en même temps, il y avait un autre royaume qui était en Afrique du Nord qui menaçait la papauté, c'est-à-dire les Vandales. En 533, l'empereur Justinien Doria, il a fait un décret qui exaltait le pape pour être à la tête de toutes les églises. 533. Donc le roi, l'empereur Justinien, il a dit le pape c'est le de toutes les églises du monde. Non, on ne peut pas accepter ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont envoyé un général qui s'appelle Benzer avec une armée en Afrique pour écraser les Vandales. Alors l'année suivante, il a réussi à les écraser. Le même général est allé combattre contre les Ostrogoths. Il les a chassés d'Italie en 538. Alors les trois royaumes furent donc déracinés. Donc c'est ces trois royaumes qui ont laissé la place à l'Italie actuelle ou au Vatican que vous voyez actuellement. Alors c'est ça l'histoire, malheureusement. La semaine prochaine, on va essayer de voir en détail sur les six caractéristiques de la petite corne. Alors,
Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez des questions?